Sì, Silvia. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Par-delà les nuages, la municipalité de Rome a drapé de noir, vous le voyez, les statues de la célèbre fontaine de Trevi en signe de deuil après la disparition de Marcello Mastroianni, qui avait tourné là en 1960 la scène la plus célèbre de la Dolce Vita. Ce monstre sacré du cinéma italien est mort ce matin à l'âge de 72 ans à Paris, des suites d'un cancer du pancréas. Vie privée, Catherine Deneuve, qui fut longtemps sa compagne, et leur fille Chiara se trouvaient toutes deux au chevet de l'acteur ce matin à son domicile parisien rue de Seine. Reporta Phil Viserias, Didi Daon. Elle est restée auprès de lui jusqu'au dernier moment. En début d'après-midi, Catherine Deneuve quitte le 91 rue de Seine sans un mot. Derrière elle, sa fille Chiara Mastroianni, elle aussi a passé toute la nuit au chevet de l'acteur. Aujourd'hui, seule la famille et les amis intimes ont pu rentrer. C'est au cinquième étage de cet immeuble, derrière ces fenêtres closes, que s'est éteint ce matin Marcello Mastroianni. Marco Ferreri, son ami intime, sera l'un des seuls à concéder quelques mots. Juste un mot pour parler de lui. Toujours on répète les mots. J'ai pas de mots aujourd'hui. C'est les journées pires pour parler. Au cours de la journée, d'autres proches, comme Claudia Cardinal, viendront lui rendre un dernier hommage. Ces derniers temps, Marcello Mastroianni était entouré de tous ses amis pour lutter contre son cancer. Il a rigolé avec nous au téléphone jusqu'à la dernière minute. On a parlé avec lui il y a une semaine, 10 jours. Il était très très malade, il ne pouvait plus bouger. Et encore il avait la force de rigoler. Dans le quartier, la disparition de Marcello Mastroianni laisse un grand vide. Tout le monde ici appréciait l'homme autant que l'acteur. Hier soir, je suis allée voir Le Pigeon de Monicelli, donc, dans lequel il joue, et j'en parlais encore hier soir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont d'un coup. C'était un homme bien, très courtois, très poli avec nous, et très gentil surtout. Demain à 15h, les Parisiens sont invités à venir se recueillir à l'église Saint-Sulpice. Trois vies et une seule mort, titre prémonitoire pour le dernier film tourné par Marcello Mastroianni. En réalité, plus de 150 vies pour cet acteur qui a participé en effet à plus de 150 films et qui, avant de découvrir le monde du cinéma, avait fait pratiquement tous les métiers pour survivre. Hommage au signé Pascal Deschamps. Marcello, come here. Hurry up. Oui, c'est toi qui as raison. Des images pour l'éternité. Nous avons tous tant qu'il y aura des films et des hommes pour s'en souvenir, ce sont ces images de la Dolce Vita que Marcello Mastroianni laissera sans doute dans leur mémoire. Sylvie. Ou peut-être celle-ci, Fellini encore, ou celle-là, le Casanova vieillissant, d'Ettore Scola. Arbitraire mémoire pour une des carrières les plus étonnantes de ce demi-siècle. 136 films en 50 ans. Staccanoviste des tournages, Marcello Mastroianni a voulu se glisser dans toutes les poues. Modeste, il disait lors d'une de ses dernières interviews. Moi j'avais des copains à l'université, quand on jouait, ils n'avaient beaucoup mieux que moi. Moi j'ai eu de la chance. Ils ont eu besoin d'un type comme moi. Moi Fellini, j'avais besoin d'un visage quelconque, il m'a dit. Et voilà, je suis prêt. Voilà le visage quelconque. Rien ne destinait le petit Mastroianni avec un J qu'il abandonnera plus tard au 7e art. À 19 ans, il va de petit boulot en petit boulot, mais sèche le bureau pour courir au centre théâtral universitaire. À force de hanter les studios, il décroche un premier rôle dans L'Évadé du bagne, enchaîne les apparitions au théâtre et au cinéma. Rien ne destinait Marcello au métier d'acteur, sinon une terrible envie de faire lui aussi partie du rêve sur celluloïde. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. On allait au cinéma pour rêver, pour s'identifier avec les héros. En 1960, la Dolce Vita le révèle au monde. Les offres pleuvent, il refuse celles d'Hollywood. Il faut dire que Visconti, Fellini encore avec 8,5 ici, mais aussi Antonioni ou Scola, se l'arrachent. Arbitraire de la mémoire encore, Mastroianni devient un jeune premier malgré lui. Il est le latin lover, le séducteur, le tombeur. On continue, vous savez, à parler de ses succès auprès des femmes. Et à moi, vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Je vous assure. J'aimerais bien voir toutes ces jeunes filles venir déchaîner me demander un autographe, comme elles le font avec les autres acteurs.
Oui, on parle beaucoup de ses succès auprès des femmes. Moi je crois que c'est encore un beau mythe. Une image qu'il n'aura de cesse de détruire, en devenant par exemple le premier homme enceint de l'histoire, dans l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, ou en composant dans une journée particulière l'un des plus beaux personnages d'homosexuels du cinéma. Un homosexuel au temps de Mussolini est l'un de ses plus beaux rôles face à une autre star qui jouait elle aussi avec son image, Sophia Loren. E mo perché ridete? No, così perché la vita è fatta di tanti momenti diversi e ogni tanto arriva anche il momento di ridere. Così, all'improvviso, come uno starnuto. A lei non capita mai. State ridendo di me? No. No. Anche se fosse così dovrei ringraziarla. Anzi, devo ringraziarla per essere venuta qui proprio adesso. Un seul mot d'ordre, faire passer l'émotion et puis surtout, s'amuser, voire provoquer quand Marco Ferreri l'entraîne dans l'aventure de la grande bouffe, ou quand il dit oui à Bertrand Blier, dans Un, deux, trois soleils, il était le père alcoolique d'Anouk Grimbert. J'ai une gueule à retomber en enfance. Et mon père, est-ce qu'il a une gueule à venir se faire chier en classe alors qu'il pourrait être si bien au bistrot en train de siroter son pastis? C'est vraiment n'importe quoi. Amuser, s'amuser et surtout ne jamais faire croire que c'était difficile. Je n'aime pas les légendes qu'on fait sur les acteurs. Quand ils disent qu'ils souffrent. Mais c'est quoi il y a à souffrir? À 8h, une voiture vient vous prendre avec l'air conditionné l'été. Il vous amène au studio, tout le monde vous dit bonjour, vous avez bien dormi, caca, tout est réglé bien. Vous voulez un café? Il vous maquille. Je m'endors généralement parce que le matin, on est encore un petit peu comme ça, puis toutes les lumières autour du miroir, les types qui vous font un massage, d'une certaine manière, je dors. Mon habit me tient la tête. Quand il disparaît, je me réveille, dis, tiens, qui est ce jeune? Ce jeune premier, il m'a tout arrangé là. Le soir, il vous ramène à la maison. Vous avez gagné de l'argent. Quelquefois, vous tombez amoureux de l'actrice. Ce sont toujours des belles filles. Quel métier de merde. Certains passent leur temps à travestir des mensonges. Lui avait l'art de mentir pour faire passer un peu de vérité de l'autre côté du miroir. Une journée particulière en Italie où l'émotion est bien sûr très forte. Avec lui, c'est le cœur du cinéma italien qui s'en va, déclarait Dino Risi. Avant les obsèques, dimanche à Rome, le corps de Marcello Mastroianni sera exposé près du palais du Capitole où siège le gouvernement italien. À Rome, pour France 2, Alain Chalfont. Ce soir, la fontaine de Trevi s'est mise en deuil. Cette fontaine, symbole de Mastroianni, de la Dolce Vita, de ces heures de gloire du cinéma italien. Cérémonie spontanée, décidée par le maire de Rome, Francesco Rutelli, dans l'après-midi. Cérémonie significative de la secousse ressentie par l'Italie à l'annonce de la mort de l'acteur. Ceci est un message de mémoire, d'affection, de reconnaissance de la ville de Rome à Mastroianni. La femme de Mastroianni, arrivée au bras du réalisateur Francesco Rossi, était là pour témoigner. Je savais qu'il était mal, que peut-on faire, c'est la vie. On a perdu un immense acteur et on a perdu un homme très rare, unique. Unique dans sa vérité, dans sa simplicité, dans sa façon d'être. Ce matin, la fontaine symbole fonctionnait encore pour les touristes. À peine la nouvelle de la mort de Mastroianni connue, les jets d'eau se sont arrêtés. On m'a ordonné de fermer la fontaine pour la mort de Mastroianni. Le Père Noël de la place a continué à faire son métier, mais le cœur n'y était plus. Eh oui, j'ai eu un coup au cœur. Parce que Mastroianni, c'était véritablement un grand acteur. Vous savez, le symbole de l'Italie dans le cinéma. Et alors moi, aujourd'hui, je suis très triste. Beaucoup parmi les visiteurs du soir étaient des admirateurs de l'acteur disparu ou des amis, comme Mimola Girossi, l'incontournable assistante du cinéma italien. Moi, je pense que ce n'est pas possible qu'il n'ait pas avec nous. On m'a dit qu'à Paris, je l'ai vu en tout cas, dans la dernière pièce qu'il a fait à Paris, il parlait de mourir à Noël, avec un grand arbre, et lui, il sera très content de mourir à Noël. Et il est mort à Noël. C'est une chose très triste. C'est la vie, hein? Marcello l'a dit, c'est la vie. Ce soir, devant la fontaine, l'orchestre de la police municipale a interprété une musique triste d'un film de Fellini,
en espérant que quelque part Mastroianni pourra l'entendre. La Cité des Femmes a perdu aujourd'hui un grand séducteur. Marcello Mastroianni a eu en effet une vie sentimentale très riche avec de nombreuses passions et plusieurs enfants. À l'écran, comme dans la vie, il a tenu dans ses bras les plus jolies femmes, commentaire Jean-Jacques Dufour. Si Marcello adorait Claudia Cardinal, il n'aimait pas l'étiquette de séducteur. Son actrice préférée, c'était Sophia Loren. Avec elle, il a tourné 10 films. Là, c'est une journée particulière. Il faut qu'on le fasse sentir, parce que c'est ça le muscle le plus important. C'est ça. Beau parleur, blagueur, nostalgique, tendre, c'était surtout un charmeur. Je t'en supplie, Carla. Carla, ne me quitte pas. Ne me quitte pas et pitié de moi. Et pitié de moi, ne me quitte pas. Dis-moi que tu ne vas pas me quitter. Je t'en supplie, Carla. Ne me quitte pas. Les vrais séducteurs, disait-il, sont héroïques, virils et ils ont un grand nez. Moi, je suis mou et j'ai un petit nez. Ce modeste séducteur, malgré lui, se foutait de son aspect physique. L'âge, les rides, l'estomac, normal avec l'âge. Marie, est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas. Et toi? Je ne sais pas. Salut. Son dernier film, qui sort le 25 décembre, s'intitule « On n'en parle pas » et c'est une chronique d'un amour passionné, extravagant et provoquant. Nous nous sommes tant aimés parmi ces femmes de rêve, Monica Vitti, avec qui Mastroianni avait tourné dans « La nuit », le film d'Antonioni. Notre correspondant à Rome l'a rencontré tout à l'heure. Pour moi, un grand ami, un personnage incroyable de fantaisie et de douceur, parce que Marcello était aussi douce et aussi, on peut dire, sereno, quelquefois. Il s'amusait à jouer avec moi, avec tout le monde. C'était un ami, c'était un personnage inoubliable. C'est la fantaisie. Quand on a tourné ensemble, on s'amusait aussi, beaucoup. On s'amusait, on a joué, C'est passé le travail comme un jeu. Ouais, je me rappelle une chose. Quand il s'amusait pas, quand il était ennuyé par quelque chose, il s'endormit. Alors il était là comme ça, avec une façon de penser à quelque chose, il restait là comme ça, et tout d'un coup, il dormit pour je ne sais pas combien de temps. Mais c'était tellement sereno. Il était un grand acteur. La star, c'est positif et négatif dans le même temps. Parce qu'elle est positive, parce que c'est une star, une étoile. Donc, il était une étoile, une star. Mais il y avait l'humanité qui était la chose la plus importante sur Marcello. Une humanité, une normalité, anche. Mais il était aussi une grande star, une énorme star. Mais lui, dedans, c'était un homme tranquille. Exactement. Voilà, nous reviendrons sur la disparition de Marcello Mastroianni en fin de journal. Sachez d'ores et déjà que France 2 a décidé de bouleverser ses programmes avec la diffusion ce soir vers 23h, après donc le magazine Envoyé spécial du film d'Ettore Scola, Une journée particulière, avec Sophia Loren. Les autres titres de l'actualité, avec tout d'abord une vingtaine d'interpellations à la suite d'opérations de police menées dans les milieux islamistes en région parisienne ainsi qu'à Roubaix dans le Nord. Reportage Anne Mourgue, Michel Fine. L'irruption des hommes en cagoule et en gilet pare-balles a quelque peu perturbé la tranquillité de ce quartier de Villeneuve-la-Garenne. C'était l'heure du laitier et au même instant, des dizaines de policiers intervenaient simultanément dans plusieurs villes de la région parisienne. Dans cet immeuble de Villeneuve-la-Garenne, un homme était surveillé depuis plusieurs semaines par la police judiciaire et les RG. Il est algérien, il a 35 ans, il s'appelle Salah. Il intéresse les policiers parce qu'il était en contact avec les membres du gang de Roubaix.
L'affaire de Roubaix, c'est cette fusillade au mois de mars, dans laquelle 3 malfaiteurs avaient été tués et 2 hommes du raid blessés. Une affaire de droit commun, avait dit à l'époque le ministre de l'Intérieur. Au vu du dossier aujourd'hui, la réalité paraît plus complexe. Les membres du gang de Roubaix étaient en contact avec un réseau de fabricants de faux papiers qui fournissaient des documents falsifiés à des islamistes partis combattre en Algérie. Parmi les individus interpellés ce matin, plusieurs sont dans ce cas. En perquisitionnant à leur domicile, les policiers n'ont pas fait de découverte spectaculaire. Une seule arme, un fusil avec lunettes de visée et des documents en langue arabe. Le coup de filet a été lancé sur commission rogatoire du juge Bruguière, mais il n'a aucun lien avec l'attentat de Port-Royal. Le FNLC Canal Historique qui a revendiqué aujourd'hui la série d'attaques menées contre des gendarmeries en Corse ces 3 derniers jours a intensifié ses menaces contre les forces de l'ordre présentes actuellement dans l'île de Beauté. Sur place, Arnaud Boutet, Jean-Paul Chaussé. Un communiqué du FLNC revendique ce soir 7 attentats commis en Corse depuis le 7 décembre. Mais le mouvement clandestin intensifie ses menaces contre les gendarmes qui peuvent, je cite, se considérer en état de guerre. Une allusion directe à la fusillade d'hier soir. À 19h50, un homme mitraille la gendarmerie de Saint-Florent. Aucune victime n'est à déplorer, mais les gendarmes prennent en chasse le véhicule du tireur et ouvrent le feu. Pour la deuxième fois en 48 heures, des gendarmes corses ripostent un mitraillage de brigade. Les gendarmes agissent dans le cadre des lois et des règlements et il existe des textes qui permettent tout simplement la légitime défense. Sur cette route située à 2 km de Saint-Florent, les gendarmes ont retrouvé le véhicule du tireur. Ces deux occupants ont réussi à prendre la fuite dans le maquis, mais une tache de sang révèle que l'un d'eux a été blessé. Le FLNC, dans son communiqué, déclare que dorénavant, ces commandos ne prendront plus de risques inutiles. Les gendarmes non plus. Gilets pare-balles et fusils à pompe, une cinquantaine d'entre eux quadrillaient ce matin un vaste périmètre autour de Saint-Florent. Protection identique dans les 63 casernements de l'île. 1300 gendarmes vivent ici avec leurs familles, des familles que le FLNC avait récemment conseillé d'évacuer. Au Pérou, deuxième jour d'angoisse pour plus de 400 personnes retenues en otage à l'intérieur de l'ambassade du Japon à Lima depuis maintenant 41 heures par un commando d'une vingtaine d'hommes d'extrême gauche qui exigent la libération de leurs amis emprisonnés. Le point Olivier Lerner. Certains otages commencent à sortir de l'ombre, comme l'ambassadeur du Canada au Pérou. Depuis 24 heures, il multiplie les allers-retours entre la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima, toujours sous contrôle des guérilleros, et la présidence. Otage, il a été choisi pour négocier. Son espagnol est approximatif mais suffisant pour établir un relais. Il confirme que les preneurs d'otages ne faiblissent pas. Ils réclament toujours avec force la libération de 300 membres de leur mouvement. Le conseiller culturel français, otage, libéré, a lui aussi été désigné pour porter des messages. On n'a pas été maltraité, on ne peut pas le dire. Simplement, les conditions, notre détention, cette journée-là, était pénible, surtout d'un point de vue psychologique. Et voilà. Je pense qu'il y a, il y avait un certain optimisme, plutôt. Heureusement, d'ailleurs, ça aide à tenir. Le nombre d'otages varie selon les sources, 400 selon les médiateurs. Parmi eux, le frère du président péruvien, le chef de la police antiterroriste péruvien et une quarantaine de diplomates. La situation sanitaire est précaire. Manque d'espace pour dormir, trop peu de nourriture pour tenir. De nombreux militaires quadrillent les lieux, mais on exclut à l'heure qu'il est une action de force. Propriétaire des lieux, le Japon s'y oppose. Tant que les diplomates font la navette, c'est bon signe, dit-on. Les tractations se poursuivent donc avec les ambassadeurs du Canada, d'Allemagne et de Grèce, épaulé d'un Péruvien et du conseiller culturel français en poste à Lima. Ce mouvement révolutionnaire, Tupac Amaru, est apparu au Pérou dans les années 80. Il tient son nom d'un chef indien qui avait mené un soulèvement contre les colonisateurs espagnols à la fin du XVIIIe siècle. Précision Dorothée Oliric, Philippe Rochaud. Il fait moins 20 degrés à la prison de Yanamayo. Pour combattre le mouvement des Tupac Amaru, le pouvoir péruvien a choisi le froid. C'est là que sont enfermés les principaux militants dont les preneurs d'otages demandent la libération. Ici, les gardiens portent des cagoules pour ne pas être reconnus par les amis des terroristes. Ils seraient abattus sans pitié. Le chef du mouvement, Victor Campos, est détenu depuis 4 ans, mais son épouse, Rosa, réfugiée politique en France, le présente comme un homme qui se bat pour la justice sociale. C'est quelqu'un qu'on peut dire quelqu'un de cultivé. Quelqu'un qui a choisi la lutte parce qu'il était convaincu qu'il pouvait changer les choses de son pays.
C'est quelqu'un qui peut-être il peut avoir un autre avenir, une vie plus calme, plus tranquille. Mais il a choisi la lutte parce qu'il a cru que c'est le plus juste. Le mouvement Tupac Amaru recrute surtout dans les bidonvilles de Lima. Depuis l'arrestation de son chef, il avait adopté un profil bas. Ses combattants se réunissaient en secret dans la banlieue de la capitale pour apprendre le maniement des armes et des explosifs. Les Tupac Amaru se sont distingués par des attaques de banques et d'ambassades. Le mouvement a pu compter près de 500 militants au plus fort de son action. Ses ennemis ne sont pas seulement les militaires du régime Fujimori, mais aussi les guerriers russes du Sentier Lumineux. Régulièrement, ces groupes se livrent bataille pour le contrôle de l'impôt révolutionnaire chez les trafiquants de drogue. Leur discours politique est sommaire. Vince Ramos, nous vaincrons, disent-ils, mais en 15 ans, la guérilla au Pérou a fait plus de 30 000 morts. Cérémonie particulièrement émouvante ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Genève avec l'hommage officiel rendu aux 6 collaborateurs de la Croix-Rouge assassinés en Tchétchénie durant leur sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Cérémonie en présence des membres du CICR qui ont survécu à ce massacre, des familles, des victimes et du président de la Croix-Rouge. À Paris, beaucoup de journalistes cet après-midi au Palais de Justice. Brigitte Bardot, poursuivie pour incitation à la discrimination raciale, a en effet tenu à venir personnellement se justifier devant les magistrats. Le parquet a demandé une condamnation de principe. Sur place, Dominique Verdeillan, Christian Houtin. Brigitte Bardot fait encore sale comble, mais aujourd'hui c'est au Palais de Justice. On se presse, on se bouscule, on veut la voir, la toucher, et saisir la star sur la pellicule est ici aussi difficile qu'à Cannes. Pas question de cinéma, mais uniquement de défense des animaux. Depuis 16 ans, dit Bardot, je me bats contre le sacrifice rituel des moutons lors de la fête de l'Aïd al-Kébir. C'est peut-être une grande fête, mais pour moi, c'est une horreur. Dans l'article qui lui vaut ce procès, le président du tribunal note un dérapage de l'ex-actrice sur la présence des musulmans en France. Et Bardot persiste. « Je connais des pauvres, dit-elle, qui pour un poste de hérémiste passent après les musulmans. Quand on est admis dans un pays, on doit se conformer à ses lois. » C'est le discours de la préférence nationale du Front National, note la partie civile. Et au tribunal, elle confie ses états d'âme. J'envisage de quitter la France si je continue de me sentir mal dans ma peau. On l'a compris, Brigitte Bardot a changé de registre. Elle est passée de la séduction à la provocation. Xavier Tibéri, l'épouse du maire de Paris, a été entendue ce matin pendant environ 3 heures par les deux juges d'instruction d'Evry en charge du dossier concernant le rapport recommandé par Xavier Dugoin, le président du Conseil général de l'Essonne. Xavier Tibéri avait été mis en examen au début de ce mois pour recel de détournement de fonds publics. Son avocat a précisé qu'elle n'avait pas été placée sous contrôle judiciaire. D'autre part, Jean-Louis Combredon, deuxième vice-président RPR du Conseil général de ce département, l'Essonne, a été écroué après avoir été mis en examen dans une affaire de salaire supposé fictif. L'ancien président de l'Opéra de Paris, Pierre Berger, a été condamné aujourd'hui à 10 mois de prison avec sursis à la suite de l'effondrement d'un décor qui avait fait un mort et 40 blessés lors d'une répétition à Séville en 92. À Rouen, la cour d'appel a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Jean-Marc Deperroy, soupçonné d'avoir tué la petite Émilie avec du sirop de josacine empoisonné au cyanure. Devant le congrès du Parti communiste, le secrétaire général de la CGT a annoncé aujourd'hui officiellement son départ du bureau national du parti. Louis Vianney brise ainsi une tradition vieille d'un demi-siècle. Selon tous les sondages, la politisation de la CGT est le reproche numéro 1 adressé par les salariés. Sur place pour France 2, Françoise David, Michel Levasseur. Plus de liberté d'action, plus de liberté de manœuvre, c'est ce qu'a réclamé le secrétaire général de la CGT pour sa confédération. Dopé par le mouvement social de décembre dernier, Louis Vianney a voulu pousser son avantage et couper le cordon d'avec le PC. Au parti le débat politique, à la CGT les luttes, bref, le partage du travail. Je suis un partisan acharné de l'autonomie du mouvement social. D'un mouvement social qui détermine ses revendications sans s'enfermer, sans se plier d'aucune sorte, ni à un programme de parti, ni à un accord entre partis. En fait, la CGT ne veut plus se retrouver pieds et poings liés, comme en 81, si le PC est au gouvernement en 98. Réaction de Robert Rue. Dans comme un accord, nous avons décidé effectivement que bon, il n'était pas forcément nécessaire qu'il soit dans le bureau national. Robert Rue pourra toujours se consoler, devrait entrer au comité national l'un des leaders des grèves de décembre, le très médiatique patron de la Fédération des cheminots, Bernard Thibault. Dernière ligne droite pour les négociations. Unédit que patronat et syndicats doivent en effet décider de la répartition de l'excédent dégagé par l'assurance chômage.
plutôt une baisse des cotisations ou plutôt une amélioration de l'indemnisation des chômeurs. Laurent Bailly. Coup de casque pour les uns, coup de matraque pour les autres et jet de projectiles divers. La fin de la manifestation des chômeurs et surtout des intermittents du spectacle a donc été marquée par quelques heures avec les CRS. Depuis le début de l'après-midi, plus de 2500 personnes ont convergé vers le CNPF. Beaucoup d'intermittents donc, qui ne veulent pas renoncer à leur système de chômage, qui leur garantit une année d'indemnisation à taux plein. Dans la rue, c'est donc la pression. À l'intérieur du CNPF, la négociation. Le problème des intermittents sera réglé d'ici 4 mois, mais cette nuit, c'est le sort de l'assurance chômage en général qui sera tranché. Car en 1997, l'UNEDIC dégagera 13 milliards d'excédents. Le patronat veut les consacrer en majorité à la baisse des cotisations des entreprises et des salariés. Les syndicats veulent que l'argent aille surtout aux chômeurs. Nous pensons que rendre aux salariés une part des cotisations et aux entreprises la part qui leur revient est une façon d'activer également un meilleur remède contre le chômage. Je ne pense pas que le Père Noël soit dans cette maison. Et par contre, on y va avec la volonté déterminée de défendre les intérêts des chômeurs. Et c'est ce que nous essaierons de reposer en début de séance et tout au long de cette séance. Faire que l'on puisse sortir de cette négociation avec des résultats concrets pour les chômeurs. La nuit risque d'être longue pour les négociateurs et pour les chômeurs qui en attendent les fruits. Dehors, elle a commencé sous des auspices agités. Dedans, les antagonistes devront absolument trouver un compromis. En Grande-Bretagne, le nombre des chômeurs est repassé sous la barre symbolique des 2 millions. Une statistique qui arrange le Premier ministre conservateur John Major, qui est actuellement en campagne électorale, mais qui est cependant à prendre avec précaution. À Londres, pour France 2, Étienne Lénard. Le gouvernement britannique passera Noël au chaud. Moins de 2 millions de chômeurs, une consommation en forte hausse, des recettes de TVA qui explosent et en prime un rapport de l'OCDE publié aujourd'hui qui cite la Grande-Bretagne en exemple. À l'adresse des pays voisins qui écarquillent les yeux et se demandent comment font les Anglais, les experts avancent deux explications. D'abord, héritage des années Thatcher, un patron peut ici embaucher et débaucher comme il le souhaite. Ce jeune diplômé d'HEC rédige les contrats de travail de son entreprise. Rien de plus simple. Je pense qu'en France, je ne serais pas capable de le faire. Ici, bon, il faut préciser la date de départ, le salaire, et c'est à peu près tout en fait. On n'a pas la sécurité du travail à 100%. De l'autre côté, comme actuellement la conjoncture est assez bonne, et qu'il y a énormément de places offertes, il y a moyen quand même de se retrouver assez facilement, de se retourner. Ensuite, et le constat est moins rose, le mode de calcul des indemnisations a rayé des listes en un mois 25 000 chômeurs. Avec 1 500 francs par mois, on ne pointe plus au chômage sans vraiment gagner de quoi vivre. Le fossé entre riches et pauvres est d'après les Nations Unies le même en Grande-Bretagne qu'au Nigeria. Dans ce pays, il y a 2 millions de personnes à la recherche d'un emploi qui ne figurent pas dans les statistiques officielles du chômage. Par exemple, ceux qui perçoivent une allocation de longue durée et les femmes au foyer. John Major ne boude pas son plaisir, l'économie britannique est un lion qui rugit en Europe, se plaît-il à rappeler, en citant les 4 millions de chômeurs allemands et les 3 millions de Français sans emploi. Certes, les modes de calcul ne sont pas les mêmes, mais en tout cas pour l'instant, la recette anglaise semble être la plus efficace pour créer des emplois. Jacques Chirac a visité ce matin le nouveau siège du SAMU social à l'Hospice Saint-Michel dans le 12e arrondissement de Paris. Le chef de l'État avait créé lui-même ce service destiné à soulager les détresses les plus urgentes lorsqu'il était maire de Paris. Et ce matin, Jacques Chirac a félicité Jean Tiberi, son successeur à l'hôtel de ville, d'en perpétuer le bon fonctionnement. L'occasion pour le président d'appeler les Parisiens à participer à cette solidarité. Et souvent, les gens qui voient une personne en détresse, surtout si celle-ci a un chien, ce qui est fréquemment le cas, se détourne. Et ce n'est pas bien. Si vous estimez ne pas pouvoir vous-même tendre la main, parce que vous n'en avez pas la compétence ou le goût, au moins faites le geste qui consiste à appeler et à prévenir le SAMU social. En quoi consiste précisément le travail des équipes de ce SAMU social? Reportage Vincent de Guyenne, Pascal Stelletta. Alors véhicule 1, Maurice Bayard, Calvo, véhicule 2. L'heure du briefing au SAMU social de Paris. Cette nuit, 4 camions vont récupérer en ville les 100 domiciles qui ont appelé le numéro vert. 3 autres vont faire ce qu'ils appellent la maraude. C'est tourner dans les rues, pas trop vite, pour
simplement essayer de voir les gens qui sont ou sur une bouche de chaleur ou sur un banc. Ou... Et puis bon, c'est aller vers eux, quoi. Aux côtés d'Eric, dans le camion numéro 7, une infirmière et une travailleuse sociale. Au fil des rencontres, il est là-bas. Il y a d'abord les habitués comme Marcel. Salut, quoi ? Ça va ? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue ? Ah, bah là, j'ai eu un moment. Je dis mal à s'en sortir. Il y a aussi ceux qu'il faut convaincre et ceux qui sont perdus. Avant les deux semaines. Quel âge tu as ? 20 ans. Avant les deux semaines. Qu'est-ce que tu faisais avant ? T'habitais quelque part, hein ? T'as toujours été dehors, hein ? Il s'appelle Arthur. Il a très mal aux dents. C'est tout ce qu'il dira sur la route qui l'emmène, lui et quelques autres, au foyer de Montrouge. Demain, il pourra rencontrer une assistante sociale. Pour le moment, il faut parer au plus pressé. Tiens, Pascal, ouais, donne-lui à manger. On sert à manger, après il ira aux urgences. Marcel, lui, s'est déjà mis au lit, au chaud, enfin. Moi, j'ai travaillé un an comme permanente au SAMU social et j'avoue que sur le côté... Morale, j'ai beaucoup changé. Ça m'a appris à rencontrer vraiment la misère. La misère, ici, on en mesure l'ampleur tous les jours, jusqu'à 5 heures du matin. Voilà, si vous avez un cas de détresse à signaler donc aux équipes du SAMU social, vous pouvez appeler ce numéro vert, donc gratuit, le 0800 306 306. Signe des temps, depuis quelques années, Père Noël rime avec service Audiotel. Un certain nombre de lignes téléphoniques permettent à nos chers bambins et bambines de converser avec petit Papa Noël. Le problème, c'est que le dit Papa Noël est très bavard et que c'est Papa tout court qui paie la facture. Reportage Florence Bouquilla, Jean-Claude Elfassi. Allô, ici la secrétaire du Père Noël, ne quittez pas, je vous passe. Et oui, le Père Noël, débordé, a un secrétariat particulier et une stratégie perfectionnée pour faire durer la conversation téléphonique le plus longtemps possible. Normal, le Père Noël est vieux, donc dur de la feuille, distrait et même parfois un peu demeuré. Oui, oui, ça marche pas là. Allô, allô. Bah, oui, 2,23 francs la minute, la communication est coupée après 20 minutes, chaque appel coûte donc 44,60 francs. Le Père Noël fait connaître ses numéros de téléphone dans les suppléments télé ou les journaux gratuits. Généreux, il promet souvent des cadeaux qui parviennent rarement à leur destinataire. Mais les factures du téléphone, elles, s'alourdissent inexorablement. Le Père Noël n'est pas un arnaqueur, mais il permet à deux arnaqueurs de bien vivre dans cette affaire. Il y a d'abord le propriétaire des serveurs, bien évidemment, qui gagne 50% des prélèvements. Et le reste va à France Télécom. France Télécom, dans cette affaire, étant juge et partie, il ne s'empresse pas de fermer ses serveurs qui coûtent fort cher aux familles. Décidément, à Proguin, le Père Noël a trouvé le moyen de gagner encore plus d'argent. Appelle-moi demain si tu veux. D'accord. D'accord. Demain, moi, je suis à l'école. Mais demain, oui, mais demain, je suis à l'école. Pour les informations éditeurs, composez le 08 76 13 13. Comme dirait l'autre, c'est pas pour me vanter, mais il a beaucoup neigé. Les professionnels des sports d'hiver se frottent les mains. Le cru 96-97 s'annonce excellent. Ces derniers temps, il faut dire que les Français avaient plutôt tendance à bouder la neige à Noël. Reportage à La Clusaz, Benoît Gadret, Thierry Monnier. C'est un peu comme un cadeau de Noël. De la neige, beaucoup de neige sur le massif des Aravis. À cet endroit, il y avait seulement 15 cm l'année dernière, mais cette année... Il y en a 6 fois plus. 90 cm vers la mi-décembre, c'est exceptionnel. Voilà. Au Clay du Merle, ici, à 1500 mètres. La neige est tombée en abondance en novembre. Et à La Clusaz, il faut remonter à 1954 pour trouver une telle générosité du ciel. Du coup, les dameuses sont parties à l'assaut des pistes avec 3 semaines d'avance. Pour la plus grande joie des premiers skieurs, essentiellement des gens du pays, qui après les années de manque, redécouvrent la neige à Noël. Elle est bonne, elle est molle là-haut. Un peu plus gelée par là, mais ça le fait. Ça le fait. Et on est content. On est en Haute-Savoie, on n'a pas vu ça depuis un moment. Hein. Du coup, dans le village, la centrale de réservation est en pleine ébullition. Les chiffres sont à la hausse par rapport à 95, 20% de plus dans les agences et les hôtels. Nous avons eu
saut dans les réservations. Et aujourd'hui, nous refusons des clients pour la semaine du jour de l'an. Les loueurs de matériel surfent également sur la vague et chacun de présenter le plus beau parc locatif. Ici, pas moins de 1000 paires de skis et 8 personnes recrutées pour satisfaire le client. Toute l'équipe est déjà là, formée, les produits, tout doit être en place, les fixations et les skis prêts, tout en bloc d'un seul coup, parce que grâce à cette neige. La neige qui ne semble pas le seul facteur d'engouement pour la montagne. Il y aurait aussi et plus que jamais un besoin impérieux de s'aérer la tête. C'est pour le client le meilleur moyen de sortir un peu de son quotidien, de sa grisaille, c'est de venir ici au beau soleil, d'oublier pendant quelques jours un peu tous les soucis. Des soucis, les professionnels de la montagne n'en ont plus pour Noël. Reste février et toujours la crainte des conséquences d'un éventuel redout. Si vous avez pris ce journal en cours, je vous rappelle la principale nouvelle de cette journée, une triste nouvelle, la disparition à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer du comédien italien Marcello Mastroianni, un séducteur qui avait énormément de recul sur lui-même. Portrait signé Marie-Pierre Farkas. Merci. Merci, merci, vous êtes trop généreux. Mesdames, messieurs, bienvenue. Il n'y a rien de mieux que faire du cinéma. Regardez, on est là. On a des ennemis, hein? Je ne voudrais pas dire qui, mais en somme, on est encerclé, attaqué par tous les côtés. Mais nous, on est là, les derniers romantiques, on résiste. Et non, franchement, voyez ce qui se passe dans le monde entier. Là, je suis sérieux. Il y a des guerres, des gens qui s'insultent, qui s'attaquent, l'enfer. Nous, dans un studio, on est là, comme une forteresse. On continue à raconter n'importe quoi, protéger personne pour entrer dans le studio. Ailleurs, dehors, c'est l'enfer. Et nous, on est là. Ah, les cons de tête. Hein? Oui. Oui. A me piace stare al mondo. Tu dirai, ma a tutti piace stare al mondo. Non so, vabbè, ma... Io però non riesco ad accettare questa idea che uno va, insomma, deve uscire da una porta e buonasera. Non mi va, insomma, proprio mi dà fastidio, molto mi dà fastidio. Per fortuna che faccio del cinema. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Salut l'artiste, où restez, vous descendez, où est l'ascenseur? Voilà, je vous rappelle que France 2 a décidé de bouleverser ses programmes ce soir et diffusera vers 23h le film d'Ettore Scola, Une journée particulière, avec Sophia Loren. Auparavant, notre magazine Envoyé spécial avec un reportage passionnant sur les manuscrits de la Mer Morte et sur le groupe des sales gosses à la Saint-Urbain, honneur aux chérubins. Dernier journal vers 1h15 en compagnie de Philippe Lefay. Dans un instant, la météo, Sophie Davant et le point route de Valérie Maurice. Demain à 13h, vous retrouvez Patrick Chen et à 20h, Daniel Bilalian. Je vous souhaite une excellente soirée en vous laissant méditer ce proverbe particulièrement dédié ce soir à Marcello Mastroianni. Quand le soleil s'éclipse, on en voit la grandeur. Excellente soirée, merci.